Ben, je vais essayer de conclure cette présentation riche et merci beaucoup. Alors, c'est vrai que cette synthèse que je vais faire, elle part de mon vécu à moi qui suis cardiologue de ville. Et c'est vrai que quand on est cardiologue en ville et en libéral, on est focalisé essentiellement sur la maladie. Et quand on est cardiologue, on est habitué et biberonné à des études de mortalité avec des critères très durs. Et je trouve que cette présentation, elle a permis de recentrer le sujet sur le malade et son contexte familial et amical, et sur la qualité de vie et les émotions ressenties du patient. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de changer complètement notre point de vue, en tout cas le mien, avec beaucoup de mentions qui ont été faites sur les explications, sur l'écoute, et de la part de quasiment tous les professionnels, et de l'écoute active, qui est techniquement un peu différente pour ceux qui savent la pratiquer, sur l'orientation. Moi, j'ai beaucoup aussi appris de cette présentation sur le nombre d'intervenants différents qui étaient capables d'apporter de l'information aux patients, de l'information comme nous, on essaye de le faire, mais en fait, on se rend compte, quand on est sorti du cabinet, qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont capables d'informer, voire d'éduquer, jusqu'à l'éducation thérapeutique, et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. L'optimisation aussi, j'étais très surpris de ce que les ARC sont capables de faire dans votre structure, jusqu'à préparer finalement les consultations, et je trouve que c'est assez passionnant de voir qu'on on ressente les choses sur le malade, sur toutes les composantes du malade et de son entourage, et toutes les composantes de la maladie, et pas seulement le diagnostic, la thérapeutique, comme nous, on sait faire cardiologue, mais aussi aller plus loin, la collaboration, la recherche, la gestion de bases de données. Et pour ça, j'ai trouvé cette présentation passionnante. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la session suivante. Il y a une petite pause, en effet. Petite pause café.